Bon, un matin, je suis avec Alexandre. On a un beau projet de conception intérieure pour repartir un peu comme avec mon véhicule l'année passée en Gaspésie. Et d'arrêter ici. On va faire un système de couchage intérieur avec un peu de rangement dans une Corolla. Tu sais, un char bien ordinaire, là, on peut partir avec n'importe quoi. Puis là, ben, je trouvais que c'était un défi intéressant à relever. Puis ça, c'est Jean qui m'a lancé ce défi-là avec ma fille qui est en train de parler avec, avec Adèle. Fait qu'on en profite pour... il fait pas trop chaud. J'ai quasiment envie de pleuvoir. Mais... une belle température pour travailler ce genre de truc-là. Parce que l'année passée, je l'avais fait au mois de juillet, il faisait genre 30. Là. J'ai trouvé ça un peu dur. Puis dans mes vidéos, je pense qu'on le voit là, dans le dos, là, je transpirais. Là. Tandis que là, ben, j'ai le petit coat. Ça, c'est juste parfait. Fait que là, on a une idée générale un peu de ce qu'il y a à faire. On va switcher de bord. Fait que le but, ça va être d'installer un morceau ben, d'un espace d'aile à l'autre. On a 60 pouces. Fait qu'il va falloir qu'on fasse ça en deux sections. Puis aller jusqu'au fond, je pense qu'on avait 72 pouces à aller, ouais, à 72 pouces à aller au siège là-bas. C'est sûr qu'à l'intérieur ici, on voit que c'est un peu cintré. Là, c'est pas tant problématique parce que dans le fond, quand on dort, mettons la tête par là, puis qu'on ça arrive juste vis-à-vis le bassin, cet espace-là. Fait que coucher un peu genre en cuillère inversée, là, ben, tu sais, là, c'est juste parfait. Là, mon gars, il va y avoir du monde à la messe. Faut qu'on starte en quelque part. On part avec ça. Fait que là, c'est un go. On commence. Tiens, toi, tu vas rendre ça un peu dynamique. Tu vas filmer mon... Ben ouais. Oh, crime, c'est pas pire. Je suis en train de filmer de toute façon. Ah, c'est juste que je me suis... Ah non, c'est bon. Bon, tiens. Fait dans le fond... vers ici. Fait que dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je suis parti avec une base pour trusquiner. Dans le fond, ce que je vais faire, c'est que j'ai besoin du détail du côté du véhicule, là, de long en... sur toute sa longueur. Fait que je vais m'installer un morceau ici, puis là, je vais trusquiner. Fait que je vais vous montrer un peu comment ça marche. Puis pour partir avec une base, j'ai besoin de la largeur totale de ce que je peux faire ici. Je vais me couper un bout de forme de 25 pouces. Puis la longueur totale du projet... mettons, ça va être ça. 74 pouces, peut-être. On part avec ça, 74. Peut-être qu'on ne sera pas capable. Je pense que j'ai pas 74. Oh, j'ai 77. Merveilleux. Fait que là, je prépare ce côté-là. On voit que je l'ai déjà travaillé. Ça fait que lui, je vais le faire envoler. J'en ai pas de besoin. 74 pouces, je me marque. Ici. 25 pouces de large. Mettons ici, mais anyway, ça sert à rien. Parce que là, il faut que je le coupe. Un exacto. 25. Ça, après ça, mon 74 pouces. Fait que ça, ce qui est le fun, c'est que ça se casse tout seul. Il y a juste à couper l'excédent. Même affaire de l'autre côté. Ça va bien mieux que du Jeep Rock. Oups, je passe de rette. Ça, c'est plus bon. Fait que ça, on rentre ça dans le tour, puis c'est à partir de là qu'on va commencer le vrai travail. Fait que ça, ça se trouve être c'est quand même le fun. 74 pouces, tu vas bien dormir là-dessus. Là, on voit que je suis un peu long. Je vais peut-être en profiter peut-être pour avancer ton siège. Bon, ça fait que ça, c'est bon. Bon, pour trusquiner, dans le fond, moi, ce que je vais avoir, c'est le détail qu'il y a ici tout le long. Là, on voit qu'il y a des... il y a un profil qui est vraiment là, difficile à aller faire là, sans qu'on ait du gaspillage. En trusquinant, ça va me permettre d'aller chercher vraiment tous les détails puis de pouvoir profiler le côté de ma feuille, rentrer ça là, puis il n'y a plus rien à faire après ça. Ça va être sa coche. Pour partir, je vais y aller vraiment au minimum. Je vais peut-être partir ici, puis là, je vais laisser mon galon tout le temps, mettons, d'ici à là. J'ai 12 pouces et demi. 12 pouces et demi, je barre mon galon là. Puis là, je vais laisser mon galon perpendiculaire. C'est-tu perpendiculaire, ça? Ouais. Perpendiculaire à ma feuille.
Puis là, je vais le glisser de même tout le long du profil que j'ai besoin de travailler. Puis là, ben ici, ben, je ravance. Puis là, ici, je m'en vais de même. Puis là, je vais avoir mon profil va être parfait. Et voilà le profil. Deux changements de batterie, on avance nos affaires tranquillement. Là, on est rendu au foam. Là, les filles sont en train de se framer un beau petit setup de screen. Ça va être sa coche. Pas que les bulles de train. On va remettre ça sur son petit trépied. On va redonner ça à mon caméraman dédié pour la journée. J'ai décidé que c'était lui. J'ai pas eu le choix pour lui. Je mesure comment, Victor? 6 pieds 2. 6 pieds 2, puis ça file dans une valise de Corolla classique. Et voilà, les pieds arrivent jusqu'à là. Je vais aller montrer ça. Il y a du lousse! Dans la porte au bout de Victor, voir que ça donne comme impression. J'ai l'impression qu'il va me squeezer dans l'œil. Ah, c'est ça. Oui.
Hey, essaye donc, ce qu'on disait, là, pour chiller, si t'inclines le dossier, ah, qu'est-ce que ça donne un coup assis, mettons? Ah, oui. Mais bien incliné le dossier au max. Pas, genre. Oh! Ah, il y a du dégagement pour la tête. C'est pas je pensais, tu Kirim, t'as une place pour mettre un ordinateur, là. Ah oui, c'est vrai. Genre, tu peux aller faire tes affaires. C'est ça. Oh, pogner un chat. C'est comme chill. Ouais, ça c'est gros. C'est parce que vous allez pogner sûrement des journées qui vont pleuvoir. Ça fait que des fois c'est long en crime. Puis sortir un ordinateur en, sur une table de pique-nique, des fois c'est pas tant évident. C'est ça, en dessous de la bâche. Ouais. Ben non, on est pogné. Ouais. C'est cool. On dirait que ça tombe juste comme aux omoplates. Là, on peut se mettre un oreiller en plus là-dessus. Là. Puis avec mon petit café ici. Ah, c'est drôle. Ah, ben. Non. Ben c'est pas grave, il y a des portes à l'air. Hey, c'est hot. Bon, ben, Kirim, on a fini notre beau projet de l'après-midi qu'on a fait un peu à la course, mais Kirim, quand même, pas mal satisfait du résultat final. Dans une Corolla, quelle année tu disais, Victor, c'était la Corolla? 2006. Hey, projet dans une Corolla 2006 pour passer les vacances, ça coûte trop cher, puis avoir un minimum de confort. Puis on a réussi à faire un petit spot aussi pour chiller. Je l'ai montré tout à l'heure avec pendant que les filles étaient couchées une à côté de l'autre. On voit qu'on est capable de se faire un genre de mini cinéma maison si des fois les journées sont un peu pluvieuses puis qu'on n'est pas nécessairement toujours le goût de se payer une chambre de motel. Ça fait que là, ben, on avait, je vous ai montré tout à l'heure, un beau petit setup pour chiller le soir, regarder un petit peu de Netflix. Ça prouve un peu qu'on est capable d'installer un petit setup pour les vacances dans n'importe quel véhicule. Fait que je vous laisse sur cela. Et n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air pour signifier votre agrément à avoir visionné mon vidéo. Puis on vous voit dans une prochaine aventure. Ciao! Ouais, hey, c'est quelque chose de se rendre ici, mais c'est un beau spot. Hey, je suis sûr que t'aurais sorti tout à l'heure sur la traque, on aurait pu se faire des bebelles, on était juste l'autre bord.